Bonjour, je me trouve en compagnie de Aziz Salmoun Fall pour analyser la question très importante: quel sera l'impact du coronavirus et de la crise en général sur l'Afrique? Aziz est politologue internationaliste, il est d'origine sénégalaise et égyptienne. Il enseigne à l'Université McGill à Montréal les sciences politiques, l'anthropologie, les relations internationales et le développement international. Il avait coordonné le réseau québécois contre l'apartheid. Il a fondé le GRILA, un groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, qui a notamment lancé la toute première campagne internationale contre l'impunité dans l'affaire de l'assassinat du président Thomas Sankara. Il s'est impliqué dans beaucoup de questions africaines également. Il a fondé un centre de recherche progressif, Ryerson. Et je pense donc que il a fait également un film qui s'appelle Africom, que nous verrons un peu plus tard. Il a publié un livre, Les promesses d'une devise, et il anime un site à son nom, dont je vous présente la une ici en couverture, avec beaucoup de réflexions, commentaires, discussions, références très très intéressantes justement sur les conditions de la libération de l'Afrique. Alors, Aziz, première question directement. L'Afrique peut-elle s'en sortir de ses problèmes de santé, des infections, des maladies infectieuses, des épidémies? Vous en avez déjà eu bien avant le Covid-19. Est-ce qu'elle peut s'en sortir et à quelles conditions? Merci Michel Collomb de m'inviter. Écoutez, juste une petite rectificatif. L'ouvrage que vous citez n'est pas de moi. Par contre, l'essentiel des éloges que vous avez faits me touche beaucoup. J'aimerais juste profiter de cette occasion pour présenter nos salutations et nos condoléances aux personnes qui ont perdu des êtres chers, de par le monde et en Afrique, qui sont affligées par cette maladie ou par les soins de cette maladie. Principalement les femmes, qui sont insuffisamment reconnues dans le fait qu'elles luttent dans cette situation, les Africaines du continent, mais aussi les femmes de descendance africaine. Il y a une prévalence évidemment pour les classes laborieuses qui sont les plus affectées, celles dont on rencontre qu'elles sont essentielles aujourd'hui dans la prise en charge du capitalisme défaillant. Et donc, c'est clair que dans une situation où les gens peut-être se rappelleront de ce qu'on a appelé la déclaration d'Alma Alta. C'était il y a très longtemps, pour ceux qui s'en souviennent. Mais on va expliquer pour les jeunes, ça s'est Mais passé en fait, quand et voilà pourquoi. une déclaration sur les soins de santé primaire. Et c'est une grande conférence internationale qui a eu lieu au Kazakhstan en 1976. Et là-dedans, ça a montré en fait déjà que les inégalités flagrantes qui existent dans la situation sanitaire des peuples défavorisés devaient être redressées à l'horizon des années 2000. Et c'est justement ça qui ne s'est pas fait. Donc les gouvernements qui avaient, vis-à-vis de la santé des populations, des responsabilités qui n'ont pas pu s'acquitter parce que la contrainte de la mondialisation les a posés dans une situation extrêmement difficile à la faveur du néolibéralisme, de la restructuration des économies. Et donc, d'abord, ce sont les soins de santé primaire, les soins qui sont fondés sur vraiment des techniques, des pratiques scientifiques valables, mais aussi les pharmacopées qui ont été abandonnées, qui ont été délaissées, et qui font partie évidemment d'une restructuration du système de la libéralisation de l'hôpital, du système de santé global. Et donc c'est clair que l'Afrique a été dans les 3 décennies, pour ne pas dire les 4, délaissée à ce niveau-là. Et en même temps, l'OMS, qu'aujourd'hui on décrit aux États-Unis, est une institution qui, comme tout le dispositif multilatéral, sert à la régulation internationale, à la fluidité du capitalisme, mais en même temps, elle est sous-financée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pour tout ce qui est les maladies infectieuses et maladies tropicales, qui ne sont pas de grande rentabilité, elles ont été d'une certaine façon délaissées. Donc, on s'est retrouvé avec une situation assez paradoxale où beaucoup de médecins africains ont quitté le continent, où il y a eu un désinvestissement colossal dans le système de santé. Et donc, ces systèmes de santé exsangues, mais qui sont quand même rompus à la tentative d'enrayer les pandémies et les épidémies locales, sont effectivement analysées de façon assez alarmiste très très rapidement dès que cette pandémie arrive sur le continent africain. Et donc c'est normal d'une certaine façon qu'on ait eu
ce discours alarmiste à la fois des médecins, mais aussi de l'OMS et beaucoup de praticiens. Et c'est là que justement il y a une sorte de décalage entre la rapidité, la virulence de la propagation de cette maladie en Asie et en Europe, par contre avec la pénétration du virus en Afrique qui est beaucoup plus faible, avec une létalité plus faible sur laquelle on pourrait revenir. Donc tu commences par nous dire qu'en fait l'Afrique avait et pouvait avoir il y a 30-40 ans les moyens d'affronter toutes les épidémies qui la font tant souffrir, mais que cette capacité a été détruite. Par qui alors elle a été détruite? Ben en fait, c'est la façon par laquelle le mode néocolonial de croissance a permis l'insertion de l'Afrique dans la mondialisation. Donc c'est tout à fait normal que une mondialisation qui veut l'Afrique sans les Africains, l'Afrique des ressources, et donc les leaders n'ont pas réussi à construire l'Afrique confédérale, l'Afrique qui aurait pu permettre effectivement un plan de santé global. On est allé vers des situations en rang dispersé où forcément l'État-providence, comme on disait à l'époque, va commencer petit à petit à s'amenuiser dans le secteur de la santé. Et les endettements ont permis que les ajustements structurels dans lesquels on va être confiné au sortir des années 70, au début des années 80, vont faire effectivement que des régimes aventureux, de plus en plus, vont délaisser et désinvestir dans le secteur de la santé. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine vulnérabilité, parce que les conditionnalités qui vont s'imposer, et surtout celles qui sont en train de se profiler à la faveur de l'aménagement de cette crise, font craindre le pire pour beaucoup de gens, parce que avec la dette, avec les conditions qu'on va imposer pour pouvoir avoir accès aux soins de santé, même au matériel pour pouvoir contrer les épidémies, ou la continuation des soins qui auraient dû avoir lieu déjà, on parle des vaccinations qui n'ont rien à voir avec la pandémie, etc. Tous ces éléments-là montrent qu'il y a eu une sorte de délaissement du système de la santé, la pénurie des équipements de soins, de protection, les machines, les respirateurs, toutes ces choses-là vont être très très difficiles, en même temps même que le civisme social, c'est-à-dire ce qui permet aujourd'hui de faire les gestes barrières, les dispositifs d'hygiène, etc., toutes ces choses-là ont été considérablement réduites parce qu'il y a eu un retrait de l'État. On a laissé beaucoup aux sociétés civiles sous l'égide de la Banque mondiale et toutes ces instances de s'occuper de tout ce qui était vraiment le pan des sociétés en cluster, comme on dit en anglais, c'est-à-dire par des petites enclaves qui s'occupent de la condition des femmes, des jeunes, etc. Et donc, c'est ce foisonnement d'organisations qui sont dessaisies en fait du pouvoir politique qui ont fragilisé tout l'édifice qui aurait pu permettre effectivement les besoins essentiels. Mais je vais me faire l'avocat du diable. On nous dit en général en Occident que la Banque mondiale et le FMI, le Fonds monétaire international, sont là pour aider le développement de l'Afrique. Non, je pense qu'il faut expliquer la vocation de ces organisations dès leur création était la reconstruction du système capitaliste détruit. Donc, foncièrement, une institution internationale n'est que le reflet du rapport hégémonique du moment. Donc, leur vocation, c'était principalement remettre sur pied le bloc occidental qui était détruit et ensuite prendre en charge le système qu'on a appelé néocolonial avec toutes sortes d'assortiments qui venaient aussi dessaisir les anciennes métropoles. Donc, c'est la prééminence du modèle américain qui avait déjà soumis le plan Marshall aux Européens et qui va mettre sous coupe réglée l'essentiel des pays du tiers-monde qui étaient évidemment quand même très intéressés à ce qu'on appelait l'esprit de Bandung. Et donc c'est ce long processus qui s'est fait pratiquement sur 50-60 ans et qui est arrivé en accélération à la faveur de l'écroulement du mur de Berlin et de l'accélération du néolibéralisme qui va donc permettre le dessaisissement des États africains qui évidemment en rang dispersé ne peuvent pas fonctionner d'un seul bloc face à ces institutions internationales dont la vocation, c'est vraiment le système d'oligopole, de monopole, d'accès aux ressources directes. Mais très concrètement, pour les gens qui ne sont pas familiarisés avec tout ça, donc beaucoup de nos lecteurs, le FMI, il a dit quoi, il a fait quoi par rapport aux politiques de santé dans les pays africains? En fait, ce n'est pas sa vocation. Comme on l'explique, il regarde assez froidement avec la Banque mondiale, puis il dit tout cela ne doit pas être du ressort de l'État. Donc, pendant très longtemps, ils vont petit à petit sortir l'État
des instances qui lui permettaient, les instances régaliennes. Et à un certain moment, en voyant le nombre de pauvres qu'ils ont sécrétés eux-mêmes, ils ont commencé à réajuster les programmes d'ajustement structurel en prétendant que c'était la réduction de la pauvreté. Donc il y a eu, mais à ce moment-là, déjà tous les éléments de souveraineté. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup privatisé la santé publique, ils ont affaibli. On a privatisé, on a libéralisé, mais ce n'est pas que la santé, c'est tous les secteurs qui permettaient à un État souverain de pouvoir dégager une marge de manœuvre pour pouvoir justement s'occuper d'un budget de santé, etc. Et ça, ça s'est fait dans tous les pays du monde, c'est pas seulement en Afrique, c'est ce qui s'est fait en Occident aussi, et qui était tout simplement la résultante du néolibéralisme. Et c'est ça qui permet en fait de comprendre l'avancée fulgurante aussi de ce virus, parce que, qu'on le veuille ou non, ce virus n'est que le reflet de l'écologie de nos systèmes. C'est des virus qui ont, d'une certaine façon, existé dans la nature, qui ont pu franchir le pas, parce que c'est des maladies humaines d'origine zoonotique, le SRAS, le H1N1, la fièvre aviaire, la fièvre jaune, tous ces, et très probablement le Covid-19, qu'il soit manipulé, comme on le dit, à des fins de vaccination ou tout simplement qu'il ait franchi le pas de façon zoonotique. Ce qui est important, c'est qu'il y a eu un vacuum qui a été permis parce que les systèmes de santé, de soins primaires, le civisme citoyen, la présence de l'État qui veille vraiment à la veuve et l'orphelin et à l'État social a commencé à affaiblir, et c'est ce qui permet la propagation et cette morbidité. Alors, on a justement ici, je montre à nos amis qui nous suivent, un graphique qui indique premièrement la vulnérabilité, j'y arriverai, des pays africains du point de vue de la démographie, du point de vue de la stabilité politique. Et donc, sans entrer dans les détails de tel ou tel pays, on voit que toute une série de pays sont en rouge, donc très vulnérables. Il y a le jaune en intermédiaire, le bleu est moins vulnérable. Donc, ça dépend de quoi cette vulnérabilité? Ben, ça dépend de ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire qu'il y a déjà une situation où, par exemple, le paludisme dans toutes les zones tropicales, incluant l'Afrique, font davantage de mortalité que toutes ces pandémies réunies. C'est à peu près 400 000 morts. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas, vous savez, de vaccin contre le paludisme. On n'en a pas plus contre le HIV, le sida. Et donc, on voit effectivement la situation de deux poids, deux mesures. Les Africains, les médecins africains sont rompus et coutumiers des maladies infectieuses. Ils sont rompus à les soigner. D'ailleurs, la chance que l'Afrique a eue, c'est qu'il y a eu un petit décalage à peu près de 3 semaines à 1 mois pour pouvoir imposer des mesures. Et ça a dépendu bien sûr des moyens disponibles, de l'information, mais il y a eu un succès relatif à pouvoir freiner la propagation malgré la connectivité transnationale, le fait aussi qu'il n'y ait pas beaucoup de tests et surtout la jeunesse de la population a permis effectivement on peut expliquer peut-être une certaine faiblesse des caractéristiques épidémiologiques aujourd'hui. Oui, donc l'OMS et d'autres organismes européens avaient annoncé une hécatombe en Afrique. Elle n'est pas arrivée. Certains disent que ce sont les vieux qui meurent en Europe et aux États-Unis, en Chine aussi, et que comme donc la population africaine est plus jeune, pour d'autres raisons, pas toujours positives, c'est ça qui explique qu'il y aurait moins de morts maintenant. Voilà, c'est justement ce qui a poussé, par exemple, nos intellectuels au RASA de mettre un cri d'alarme sur le ton alarmiste et l'ingérence condescendante de l'OMS et de l'ONU dans les affaires africaines, en déplorant que il n'y a pas une si grande létalité, c'est à peu près autour de 3%, et que le virus était déjà là depuis un bon moment et il n'a pas provoqué ce mouvement de panique. On voit à ce moment-là le caractère un peu machiavélique sur le dos des Africains, les perspectives des soins, des vaccins, etc., et une sorte de nouvelle ingérence sous forme de conditionnalité. C'est un discours paternaliste, les Africains sont des enfants qu'il faut aider. Dans tous les cas, ces États-là sont dans une situation de perfusion, c'est-à-dire qu'ils sont assistés parce qu'ils sont des segments d'une mondialisation qui préfèrent les garder dans une situation subalterne, et la plupart de nos régimes politiques joue ce jeu. Donc, il y a une sorte d'instrumentalisation du chaos au niveau géopolitique. Il y a le fait que de nouveaux acteurs viennent concurrencer les anciens, par exemple la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. Donc, c'est clair qu'il y a un jeu qui est en train de se faire au niveau géostratégique et économique, dans lequel les pays africains
aujourd'hui ont une conjoncture tout à fait favorable pour redessiner les cartes et pouvoir avoir effectivement une plus grande résilience et une meilleure organisation. Et ça va se faire dans deux possibilités. La première, c'est que la crise économique qui s'annonce va poser une sérieuse contraction de la reprise économique africaine. Et donc là, les conditions vont être encore draconiennes. On va permettre peut-être un gel de la dette, mais on va probablement poser dans une situation où l'austérité se réduit. On voit une sorte de retour à l'état-providence. On voit qu'il est possible que les nouvelles oxygènes qu'on va mettre vont créer une plus grande dépendance de nos pays. Donc, c'est valable pour tout le bloc occidental. Vous savez, les États-Unis eux-mêmes, pour leur propre économie, ont négocié des lignes de crédit immenses. Et donc, il est clair que les droits de tirage spéciaux que le FMI va consentir, ce que la Banque mondiale fait miroiter dans les 15 mois, 2 années à venir, vont d'abord aider les firmes transnationales, les entreprises et surtout la poursuite de l'oppression néocoloniale de nos peuples. Alors, c'est pour ça qu'il est important de se rendre compte que le pillage des ressources ne peut pas continuer de cette façon, et surtout les guerres impérialistes et la dégradation de la nature. On Donc va les venir Africains. sur ces différents thèmes, mais si je comprends bien, il y a donc un affaiblissement de la capacité du continent africain à prendre son sort en main. Cet affaiblissement, il est voulu, on n'a pas envie qu'il s'émancipe. Mais je voudrais qu'on vienne à une première question. Il y a donc eu moins de morts que certains avaient prévu en Afrique, heureusement, pour les raisons qui ont été données. Reste que l'Afrique affronte une série d'autres maladies, Ebola, la malaria. Et donc, quelle est la capacité des pays africains à combattre cette maladie? Je montre ici un petit graphique qui indique aussi justement comment se comportent les pays africains par rapport à ça, avec des pays en rouge, en bleu, en jaune. Je pense qu'il est tout à fait à la portée des pays africains de pouvoir lutter contre cela. Actuellement, on voit que plusieurs initiatives proviennent de pays africains. Et bien sûr, la question, c'est que nous sommes tous à même enseigne. Il y a cette lutte pour essayer de trouver un vaccin. Les pays africains participent autant à cet effort que dans les soins qui existent. Aujourd'hui, parmi les médicaments pressentis, on sait qu'il y a le remdesivir, le Kaletra, l'interféron bêta et l'hydroxychloroquine. Mais en même temps, il y a aussi des remèdes issus des pharmacopées africaines qui commencent à faire souche. Par exemple, le docteur Jérôme Muyangi avec l'Artemisia annua, qui est chinoise, mais qui est possible peut-être à transplanter de façon africaine, qui a la capacité d'une certaine façon de bloquer les récepteurs en prévention, de réduire l'inflammation, la cytokinine. Et donc, c'est possible, par exemple, que ce remède qui aujourd'hui breveté et vendu par Madagascar soit aussi une des options. Mais il y a d'autres options, la Vermonie au Congo, qui est la Vermonia amatina du Congo, la quercétine, qui fait partie aussi des luttes contre le Zika, ou retour même des anciens vaccins comme le BCG, le Bacille-Calmette-Guérin, qui a eu à lutter contre la tuberculose. Donc il y a une panoplie de choses aujourd'hui qui sont essayé par différents médecins, de virologues et épidémiologistes, mais il n'y a pas de soins. Donc l'Afrique est à la même situation de recourir en prophylaxie ou en se battant aussi pour la fourniture et l'accès aux médicaments. Mais la vraie bataille, pour nous en tout cas, c'est la bataille de la préservation de la propriété intellectuelle des plantes, des enzymes, parce que l'Afrique est déjà assaillie à ce niveau-là. Et on a mis sous tutelle une grande partie du secteur de la recherche. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on revienne et qu'on ne profite pas du désinvestissement étatique dans les services sociaux et la libéralisation du secteur de la santé et de l'éducation pour excéder justement à cette situation où on pourrait avoir un effondrement du système. Donc on a vraiment Donc, une si je opportunité comprends bien, incroyable pour y arriver. si je comprends bien, il y a une médecine traditionnelle, une pharmacopée, un ensemble de plantes utilisées par la médecine africaine qui ont montré leur efficacité par rapport à certaines maladies et épidémies. Dans ce cas-ci, on parle beaucoup de l'artémisia, on parle d'autres remèdes. C'est une possibilité. J'en ai discuté, notamment hier, on a eu
un Michel Midi avec Johan Houbeck sur le fait que beaucoup de gens veulent absolument croire en tel ou tel remède miracle qui résoudrait tout, etc. Et lui a insisté sur le fait qu'il fallait être prudent, qu'il fallait tester beaucoup de choses, ce qui malheureusement prend un certain temps. Et à propos de l'Artemisia, j'interrogeais Johan en préparant cette émission, il me dit effectivement, l'artémisia est très utile dans le combat contre la malaria. Une scientifique chinoise a eu le prix Nobel pour avoir extrait et caractérisé cette molécule. C'est donc très efficace. Ça ne veut pas dire que forcément cette plante ou ce médicament soit efficace contre le Covid-19. Et il donne des raisons techniques qui font qu'il met cette chose en doute. Cependant, en combinaison avec d'autres structures, ou avec une autre manière de cibler des cellules humaines, ça pourrait freiner la reproduction du virus. Donc, effectivement, il y a un danger, c'est que, comme en Amérique latine, d'ailleurs, avec la biodiversité, les multinationales des États-Unis et de France veulent s'emparer de tout ça, le breveter, donc le confisquer à leur usage pour des médicaments qu'ils vendront très cher, et empêcher un développement autonome de la recherche africaine. C'est ça le message. Alors, c'est-à-dire qu'ici, il y a un chevauchement de plusieurs situations. Il y a d'abord le fait que, comme j'ai dit, il y a une bataille que l'OMC a pratiquement gagnée avec les firmes pharmaceutiques, dans un univers pharmaceutique où il y a une prolifération de médicaments qui, au fond, n'ont pas de l'aide, mais qui font partie de la spéculation financière du système médical. Et en même temps, il y a des, comme on le sait, l'essentiel du biotope existe au niveau des pharmacopées, qu'elles soient africaines ou ailleurs, et donc il y a une bataille sur la recherche de ces enzymes. Donc on ne peut pas à cet état dire lesquelles de ces plantes peuvent vraiment attaquer et permettre de freiner, que ce soit en prévention ou pas. Il y a des signes qui démontrent que oui, elles sont plus ou moins efficaces. Tout ça est relatif et je le laisse bien sûr aux experts. Mais ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'actuellement, au-delà de cette bataille, pour les Africains, il y a un risque de transmissibilité qui est plus élevé en raison de la taille de nos ménages, de la cohabitation intergénérationnelle, de la densité de la population dans certaines zones, et que à cela s'ajoutent parfois des rassemblements sociaux, l'interaction du virus avec d'autres maladies prévalentes, avec la malnutrition, et donc le confinement actuellement met en danger des populations qui sont déjà vulnérables, et quand on ajoute à cela la faiblesse des soins intensifs. Donc on voit une tendance devant la pénurie des masques, des tests de détection, etc., on a une tendance effectivement d'aller chercher les remèdes de grand-mère, les vieux remèdes de pharmacopée, qui sont au fond parfois efficaces, mais c'est un problème de dosage, c'est-à-dire que quel est ce qu'il faut en termes de prévention, qu'est-ce qu'il faut au niveau curatif, etc. Il n'y a pas eu suffisamment de recherche, et c'est là la négligence que j'ai expliquée, sur laquelle nous devons revenir. C'est vraiment, il faut une responsabilité citoyenne panafricaine pour harnacher ce système de santé typiquement africain. La médecine est africaine. La médecine est née en Afrique. Les Grecs s'en sont inspirés, à commencer par Hippocrate, qui a littéralement plagié l'essentiel des tables. Et c'est une amnésie collective du continent qui a laissé à certains praticiens, féticheurs, charlatans, etc., l'usage de nos plantes. Mais il y a un intérêt grandissant sur la préservation de la biodiversité et, deuxièmement, sur la tentative de connaître vraiment les particularités de ces plantes. Tu as parlé du confinement et il y a beaucoup de questions sur comment ça se passe dans les pays africains. Bah alors, pour là, c'est là que c'est extrêmement difficile parce qu'une bonne partie de nos sociétés vit dans des conditions difficiles. Donc, il faut assurer la capacité vivrière de nos populations. Pour ça, il faut pouvoir assurer un accès au surplus. Non seulement nos populations qui vivent en dessous du seuil de pauvreté avec une masse de gens qui ne sont pas salariés, qui vivent au jour le jour. Il faut pouvoir se ravitailler dans le secteur informel. Donc, tout ça, c'est impossible. Protéger la santé et la sécurité des travailleuses suppose que les États fournissent des allocations de chômage aux travailleuses et aux travailleurs, des filets sociaux aux plus démunis. Et là, les budgets nationaux, évidemment, qui se sont taris, doivent réorienter vers cela. Donc, on voit ces réflexes dans les pays les plus opulents. Et on sait qu'en Afrique, c'est possible de réorienter une partie du capital vers les couches sociales les plus défavorisées par toutes sortes de moyens, le transfert monétaire par le téléphone, la délivrance porte-à-porte, etc. Mais il faut une fourniture qui soit équitable, patriotique, sans qu'il y ait de discrimination
entre les quartiers, les genres, les classes sociales ou les affinités religieuses. Ici, il y a aussi une situation assez paradoxale qui est l'acceptation sociale des mesures sanitaires, puisque quand elles viennent de l'État, vu qu'il y a une défiance à l'État, une sorte d'incivisme, il y a des situations de militarisation. Donc la militarisation policière, c'est à la fois le problème, puisque on l'a vu, c'est d'ailleurs comme ça que la Chine a réussi hein, son système de surveillance et de quadrillage de la pandémie, c'est qu'elle a confiné, mais de façon extrêmement autoritaire. Donc il y a cette tentation, souvent dans les systèmes comme les nôtres, de recourir à la coercition. Alors que là, il faut accompagner des mesures de sensibilisation populaire, des mesures transversales, avec la fourniture du savon, de l'eau, de tout ce qui pourrait renforcer le système immunitaire, et bien sûr écouter le personnel scientifique soignant avec les gestes barrières. Et c'est là que les jeunes, les forces vives, doivent veiller à nos aînés, à notre propre avenir, en participant à une résistance collective, parce que même s'ils sont plus robustes, ils propagent l'infection. Mais d'aucune façon, il ne faut prêter le flanc à cette perspective, au nom de l'avancée de la science, de tester sur nos populations, les modèles Est-ce que les biométriques. gouvernements africains font bien leur travail? Ils ont mis en place des task forces, des groupes de crise. Est-ce qu'ils font bien leur travail? Bon, vous savez, les régimes que nous avons sont des régimes qui fonctionnent un peu par le mimétisme des buzzwords, des motos qui sont faits à l'extérieur, mais on doit quand même reconnaître qu'il y a eu un réflexe assez rapide de l'essentiel de nos régimes politiques pour protéger d'abord les formations sociales les plus démunies, mais en même temps, nous savons que parmi eux, beaucoup de ces régimes sont très sensibles aux formes de corruption, donc vont être très sensibles aux conditionnalités qui vont être posées. C'est pour ça que pour nous, nous disons que nous ne tolérerons pas des conditionnalités supplémentaires des bailleurs de fonds à la faveur des aménagements de ces crises. Et nous appelons à un front commun panafricain pour une approche unitaire de la pandémie, pour une riposte globale. Bon, on a vu que Cyril Ramaphosa a proposé une task force avec d'éminents hommes d'affaires pour aller lever des fonds afin de contrer le problème. Nous pensons qu'il faut davantage agrandir la marge de manœuvre de l'État. C'est à l'État et non pas au secteur privé de régler ce problème. L'Union africaine s'est engagée à fournir à tous ses États membres à peu près 20 000 étuis de tests de laboratoire, 100 000 masques, etc. C'est insuffisant. Il faut qu'il y ait un soutien à Tedros Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, qui navigue aujourd'hui sans le budget américain. Donc il faut comprendre que c'est l'Afrique, au fond, qui est aux commandes de cette institution-là. Et il est important que nos systèmes de santé, qui sont franchement extraordinaires, parce qu'ils fonctionnent dans des conditions difficiles, avec des médecins aguerris, il faut que ces systèmes soient soutenus. Et c'est là qu'il y a une responsabilité de nos régimes politiques et une opportunité incroyable de pouvoir se ressaisir. On a évoqué les problèmes du confinement et les problèmes de la crise économique. Est-ce que la récession qui va venir en Europe, aux États-Unis, dans le monde en général, qui en fait était, comme l'a expliqué dans un précédent Michel Midi, Éric Toussaint, pardon, qui était déjà en train de venir, la crise arrivait et le corona est simplement le facteur qui l'a déclenché ou aggravé, est-ce que du coup, l'Afrique, face à cette crise économique globale, ne va pas se retrouver très vulnérable avec moins d'achats, moins d'exportations, beaucoup de restrictions. Est-ce qu'il n'y a pas un danger? Et je parle évidemment des pays qui produisent du pétrole, comme dans le golfe de Guinée, mais en général, les pays africains. Tous les pays vont être affectés, les pays africains évidemment étant la portion périphérique de la mondialisation, c'est clair qu'ils vont être encore davantage affectés, mais c'est une situation d'opportunité. Depuis la crise financière de 2008, la crise du capitalisme perdure de façon erratique. L'endettement mondial a atteint des proportions qui sont inégalées, jamais on a vu dans l'histoire. Et donc les politiques d'austérité qui ont été accompagnées de la libéralisation forcenée, aujourd'hui, s'essouffle. Donc, on voit le retour à l'État-providence, parce qu'évidemment, faut faire le pompier. Mais en même temps, les Africains ne sont pas dupes. Ils savent très bien que tout argent frais va être soumis à des formes de conditionnalité. Donc, c'est à nous de pouvoir aujourd'hui s'assurer
de plusieurs mécanismes. Le premier, c'est d'abord comment nous pouvons, dans ce secteur de la santé, réinjecter une partie des subventions avec une attention particulière aux gens qui sont exposés sur la ligne de front, donc les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, les médecins, profiter vraiment de cette crise sanitaire pour redresser les écarts salariaux injustes. Et pour ça, il faut augmenter les budgets de la santé. Mmh. Augmenter sensiblement les budgets de la santé et la sécurité sociale, c'est aussi ouvrir des opportunités pour réengager des médecins expatriés volontaires pour faire une formation intensive du droit du travail des personnels infirmiers et surtout de soutenir la recherche scientifique. Vous savez, le modèle de Cuba, par exemple, est un modèle tout à fait compatible avec les sociétés africaines. 8 médecins pour 1000 habitants, c'est extraordinaire. C'est une instruction civique et sanitaire de la population. On peut très bien imiter le système de Cuba pour protéger la population contre l'instrumentalisation religieuse, culturaliste de la pandémie, parce que évidemment, on est exposé à toutes sortes de situations de dérapage où on invoque des déterminismes qui n'en sont pas sur une maladie que les êtres humains ont créée et peuvent résoudre. Donc, les régimes politiques qui sont impopulaires et discrédités doivent être dénoncés à la faveur par les résistances populaires pour que les conditionnalités dans lesquelles on va être plongé ne viennent pas obérer effectivement le sursaut que nous exigeons des sociétés. Alors, tu parles de relancer les politiques publiques et les politiques de santé publique en Afrique. Est-ce qu'un grand obstacle à ça n'est pas le problème de la dette africaine, l'Afrique qui rembourse à la France et à d'autres pays occidentaux énormément chaque année? Le président Macron, dans son discours du 13 avril, a annoncé l'annulation de la dette de l'Afrique envers la France. Est-ce que c'est crédible? Écoutez, je crois que la plupart des bailleurs de fonds vont, dans une situation où le capitalisme a épuisé les ressources et est obligé de se remettre dans des dispositifs de reprise, il est clair que les bailleurs de fonds qui sont en compétition vont alléger le poids de la dette. Mais c'est ce système qu'il faut absolument changer pendant qu'il est encore temps de se ressaisir. Maintenant, la nature ayant peur du vide, c'est clair qu'il est très logique qu'ils vont faire pratiquement les mêmes choses qui ont été faites dans les années précédentes, puisqu'on va se retrouver devant des plans de relance, etc. Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une opportunité, je ne dirais pas de fuir la logique de rentabilité du capital, puisqu'au fond, c'est la façon par laquelle le système fonctionne, mais étant donné que l'Afrique a été le banc d'essai après le Chili de ces plans d'ajustement, il n'est pas question de revenir à des politiques d'austérité. Donc, il faut agrandir la marge de manœuvre de l'État. Et pour cela, ce n'est pas les desiderata des bailleurs de fonds et des bienveillances qui sont autour de nous qui importent. Ce qui importe, c'est de se rendre compte qu'au contraire, il va y avoir des forces réactionnaires qui vont poursuivre l'effort de recoloniser l'Afrique. Et c'est là qu'on doit avoir une opportunité pour les forces panafricaines de rallier les populations, de reconstruire des défenses de souveraineté, autant dans la diaspora. Nous, ce qu'on veut, c'est un développement viable, équitable, avec un État fédéral continental. Ce n'est pas ce que veut Macron, ce n'est pas ce que veut l'essentiel du dispositif néocolonial. Donc, c'est clair que nous sommes dans un autre esprit. Et pour ça, autant la France doit retrouver la marge de manœuvre de son État-nation, autant l'Afrique doit retrouver aussi les mêmes marges de manœuvre, accélérer l'intégration africaine et s'affranchir de toutes les règles contraignantes en matière de déficit dans les... Oui, j'entends bien. Est-ce que le franc CFA, c'est-à-dire le fait que la monnaie de beaucoup de pays africains est en réalité contrôlée, pas par eux-mêmes, mais depuis Paris, est-ce que ça n'est pas un obstacle majeur sur la voie d'une vraie indépendance? Bon, c'est la portion congrue de l'économie africaine, mais c'est une portion quand même non négligeable. L'Afrique de l'Ouest est une partie de l'Afrique centrale. Vous savez qu'il y a un processus de démantèlement de cette monnaie qui est déjà amorcé de toutes les façons, qui va mourir de sa belle mort. Et la question, c'est quel type de lien ce néocolonialisme va pouvoir persister dans le XXIe siècle. Et une fois de plus, c'est aux États africains de compter sur leur propre force, de miser sur la transformation locale des matières premières, des ressources naturelles, en orientant le développement sur les besoins essentiels, sur leurs infrastructures, et en renégociant de façon favorable, d'abord dans une perspective sud-sud, leur rapport avec les pays du Nord. Et donc la France, ce n'est pas que la France, vous avez la France-Afrique dans la France.
Et cette France-Afrique, elle a évidemment perduré trop longtemps et elle est vraiment l'ennemi autant de la France que de l'Afrique. C'est cette France-Afrique qui se meurt et qui n'en finit pas de se recomposer et qui est aussi celle qui a côtoyé et instrumentalisé une bonne partie des conflits et des interventions militaires. Cette France-là, en tout cas, les Africains n'en veulent plus et toute une génération l'a vomi. Donc c'est clair qu'on va vers de nouvelles lectures et je crois que le président Macron, qui aime bien dire qu'il ne fait pas partie de ce legs colonial, doit tenir jusqu'à preuve du contraire ce qu'il tient comme discours et essayer d'infléchir la politique française enfin au XXIe siècle dans les perspectives d'une véritable coopération internationale. On a parlé des vaccins, on a parlé de la nécessité pour l'Afrique de suivre sa propre voie et de ne pas être, comme on le montre ici dans un dessin, la poubelle de la France, de l'Europe, des États-Unis qui déversent leurs produits là-bas. Je montre en même temps ici une caricature très sarcastique et très cynique de Plantu. Le vaccin, il sera français ou américain, c'est là toute la question prononcée par toute une série de cadavres. Est-ce que justement, avec aussi l'impact de la fondation Bill et Melinda Gates, dont on a parlé hier et qui préoccupe beaucoup de gens, est-ce qu'il n'y a pas en fait une, ce que j'appellerais une recolonisation médicale et pharmaceutique de l'Afrique? Bon, en tout cas, je sais que nous, on s'oppose avec toute l'énergie au programme ID 2020, ce qui est une identification électronique qui prône la vaccination générale comme modèle biométrique dès la naissance. C'est des choses qui sont aujourd'hui un peu à la pointe. Mais c'est clair qu'au niveau de cette pandémie, il y a eu la tentation, une fois de plus, d'essayer sur des Africains, des Afro-descendants comme cobayes. Mais nous disons évidemment comme scientifiques que l'Afrique ne s'oppose pas à un vaccin. L'Afrique dit qu'elle ne peut pas être un cobaye et que si des volontaires qui figurent sous supervision internationale indépendante dans un échantillon où il y a des Asiatiques, des Européens, des Australiens et des Américains, pour l'avancée de la science et le bien commun, bien sûr que les Africains sont sur la ligne. Il n'y a pas de refus de collaborer. Mais d'aucune façon, l'Afrique ne va prêter le flanc à ces multinationales qui, évidemment, font de l'argent avec les systèmes de santé. Donc ici, il faut une vigilance accrue sur les surveillances biométriques, sur l'instrumentalisation. Mais il faut aussi se rendre compte que la reprise va imposer au niveau des dispositifs des frontières, au niveau des aéroports, peut-être le retour des certificats et des carnets de vaccination, va peut-être aussi faire augurer des nouvelles formes de conditions sur qui peut voyager, qui peut transhumer, etc. Et donc, une fois de plus, les populations les plus pauvres vont être soumises à ces systèmes de quotas. Et donc, pour nous, il faut que nous soyons extrêmement vigilants sur tout ce qui va suivre dans les semaines et mois à venir vis-à-vis de ces firmes qui ont infiltré le système onusien à l'époque déjà de Kofi Annan, donc le programme Compact. Les firmes multinationales sont entrées dans le dispositif multilatéral qui était fragilisé. Et donc, ce n'est pas au système caritatif et philanthropique de s'occuper de la santé mondiale, c'est véritablement aux États, au droit international de régler ces enjeux. Et comme je le dis, franchement, le retour aux politiques de Alma Alta, qui avaient un horizon de l'an 2000, sont encore à l'ordre du jour au XXIe siècle. Alors, j'ai les propos que tu tiens suscitent beaucoup d'intérêt sur notre page Facebook. Je vais prendre deux, trois réactions et demander un bref commentaire. Isabelle demande, pouvez-vous décrire ce que veulent conserver les structures ex-coloniales? Ouais, les structures ex-coloniales, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ont voulu garder, malgré les indépendances négociées et les souverainetés, leur espace qui leur permettait l'accès aux ressources. Et donc, elles sont en compétition avec l'ancien bloc soviétique et l'ancien bloc occidental qui gagne la guerre. Donc, les anciennes puissances coloniales sont en fait des puissances du 19e siècle qui sont épuisées au 20e siècle et qui ne parviennent pas à rester dans la course face à des pays émergents qui sont aussi voraces en accès de ressources. Et donc, les régimes africains ont eu la latitude ou le fait d'être complètement téléguidés par la perfusion néocoloniale. Et c'est ce système qui a perduré pendant très longtemps et qui est maintenant mis en ballottage, si on peut dire, au XXIe siècle. Est-ce qu'il est possible de garder ces ressources, ces matières premières?
Au Canada, aujourd'hui, vous avez un pays qui n'a pas un passé pourtant colonial en Afrique, mis à part les incursions avec l'armée britannique, mais où l'essentiel des firmes multinationales du monde sont loties pour pouvoir profiter des espaces de réfection des codes miniers qui permettent l'accès aux ressources. Donc, c'est la première place forte minière au monde à Toronto, et vous avez des maisons australiennes, européennes, etc., qui sont cachées au Canada et qui peuvent participer au pillage de ces ressources. Donc, c'est ce monde qui veut l'Afrique sans les Africains qui est en train de s'écrouler, et les Africains ne se laisseront pas faire. Et c'est clair que ce système avait comme expression le modèle de l'apartheid, et l'écroulement de l'apartheid a ouvert une brèche dans le dispositif néocolonial. Et je crois que c'est une longue lutte à laquelle s'attellent les populations qui ne vont pas rester passives. Peut-être il y a un élément de réponse aussi à ce qui vient d'être posé dans l'intervention de Moussa. La France a racketté 500 milliards d'euros annuellement à l'Afrique. Il faut stopper ce racket. Il y a plusieurs interventions dans ce sens. Oui, bon, la France, comme j'ai dit, c'est la France coloniale. Elle l'a fait avec Haïti. Lorsque Haïti s'est libérée, la France, une dette a été imposée pour la souveraineté de ce pays. C'est ce système-là de mise en disposition et de perfusion auquel ont profité beaucoup de pays africains à l'instar de l'origine. Donc, il y a eu des systèmes de redistribution qui ont profité et qui ont siphonné aussi de ces vases communicants. Comme je l'explique, il y a la France-Afrique qui n'est pas nécessairement la France. Vous avez un système industriel français, vous prenez un cas comme Total. Total, à l'époque, c'est un fleuron de la France. Aujourd'hui, c'est 3 à 4% qui appartient à la France. Donc, il y a une oligopolisation du système des firmes transnationales dans laquelle la France elle-même est rentrée. Donc, l'ennemi d'antan n'est plus le même, n'a plus le même visage. La mondialisation est passée par là. Et vous avez une imbrication avec des Africains qui participent à ce système-là, des chefs d'État, des milieux d'affaires, des gens, monsieur, madame, tout le monde, dans leur hypothèque, leur fonds de pension, qui sont en fait gérés par des portefeuilles mondiaux extrêmement colossaux, dans lesquels la France n'est qu'un des maillons. La France elle-même, par rapport à l'Allemagne aujourd'hui, vous pouvez voir le rapport de force qu'on peut appeler presque de type colonial dans leur économie. Donc, ce n'est pas surprenant qu'il y a une lutte en cours, et dans cette lutte, sans tomber dans le manichéisme, c'est aux Africains de se ressaisir, de comprendre, de se politiser. C'est pour ça que nous parlons d'une repolitisation démocratique des masses qui a été délaissée pour pouvoir contrôler cette transition. Et dans cette transition, je suis sûr que la France, qui est censée être la patrie des Lumières, hein, liberté, égalité, fraternité, ben, cet horizon, c'est l'horizon de la modernité. Il n'est pas atteint, il n'est atteint nulle part. Et c'est valable pour l'Afrique, et c'est aussi valable pour la France. Et c'est l'internationalisme qui amène les gens à se ressaisir, si c'est possible, et comprendre que la voie qui est celle qui est ouverte, la voie du chaos, des conflits, n'est pas l'option. La voie de la dégradation de l'environnement n'est pas l'option. Le monde qui doit être tourné, c'est un monde tourné vers l'équité, l'égalité, des opportunités de décision démocratique et populaire, le respect des genres, le respect des générations et de la nature. Dans cette perspective, je crois que on pourrait tourner la page et commencer sur une nouvelle façon, sans angélisme, hein, sans espérer que cette pandémie ait l'occasion historique rêvée. Ce sont les luttes qui vont permettre ces transformations et non pas l'urgence de la transition. Donc, pour résumer, un appel à la solidarité interafricaine et à la solidarité internationale, y compris en France et en Europe, pour soutenir justement le fait que l'Afrique puisse prendre sa place dans le monde et son destin en main. Absolument. L'internationalisme, c'est valable pour tout le monde et je crois que actuellement, ce dont on a besoin, c'est vraiment à la faveur de ce qui se passe. On a une conjoncture incroyable, cette pandémie, la crise écologique, la crise du capitalisme, redécouvrir les valeurs de l'internationalisme et pour nous autres panafricains, comprendre que c'est cet internationalisme des pays du Nord que nous attendons depuis très longtemps, qui ne s'est jamais manifesté. L'aide publique au développement qui est plafonnée à 0,7%. N'a jamais été atteint, à l'exception de quelques pays scandinaves et des pays arabes du Golfe. Il faut revenir à une coopération véritable, mais surtout, ce qui est plus important, au-delà de cette coopération, c'est la capacité de l'intégration africaine, que les pays africains prennent cette opportunité pour se rendre compte que l'unité, la solidarité panafricaine est possible, elle est à notre portée. Maintenant, c'est de grands changements, ça prend une grande volonté politique, c'est une lutte. Tous les acteurs qui ont été à la tête de ces mouvements ont été assassinés.
les derniers qui ont essayé de tourner nos développements dans une perspective auto-centrée le sont. Je vous renvoie au film de Samir Amin qui montre effectivement ce qu'est véritablement l'auto-centrage. C'est là que nous pouvons effectivement nous ressaisir et faire un front pour une transition beaucoup plus progressiste. Justement, à propos des dirigeants assassinés, il y avait un ami africain qui nous avait fait le commentaire au début de l'émission en disant, quand un dirigeant africain se lève pour l'indépendance, il est bombardé ou assassiné. Ça, c'est un problème, non? C'est la sinistre histoire. Nous avons le cortège des martyrs. Nous avons probablement le plus grand nombre de chefs d'État qui ont lutté pour la souveraineté et le droit assassinés au monde. C'est pour ça que dans notre groupe au Grila, nous luttons pour que ces questions d'impunité, dans le meurtre de Lumumba, de Cabral, etc. Et nous avons fait du caractère emblématique de Thomas Sankara dans la lutte contre le néocolonialisme, la lutte contre l'impunité. Tant qu'il y a cette impunité qui perdure au niveau du pillage des ressources, au niveau des droits humains, c'est clair que l'Afrique restera à la solde de ces forces qui l'instrumentalisent. C'est tout le chaos de ce qui se passe au niveau du terrorisme international et des culturalismes. Donc il faut À fermer propos de cette porte de terrorisme l'Afrique. international, justement, tu as fait un film Africom Go Home. Africom, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une force d'intervention contrôlée par les États-Unis, basée à Stuttgart et qui veut servir de gendarme en Afrique. Ça, c'est un grand danger. Oui, ça fait longtemps que ça a commencé à l'époque de Warren Christopher, ça a continué sous les administrations Bush, Obama et maintenant. Depuis que l'Allemagne est sous tutelle à la fin de la guerre, les Américains, comme vous le savez, ils ont plus de 40 000 soldats, mais il y en a à peu près 5 à 6 000 qui s'occupent juste de l'Afrique dans une base à Stuttgart. Et notre travail dans ce film, ça a été d'aller faire un travail au Parlement allemand, puisque ça viole la Constitution allemande qu'une armée étrangère puisse bombarder des territoires africains au nom de la lutte contre le terrorisme, qu'il faut rappeler, a été une vaste supercherie dans laquelle on a instrumentalisé les talibans, etc., pour défaire l'Afghanistan, mais c'est une longue histoire, mais surtout, on a pu instrumentaliser, depuis la période coloniale, les frères musulmans, que ce soit ceux de l'Égypte du Nord ou du Maghreb, avec des puissances des pays du Golfe, elles-mêmes sous tutelle des formes pétrolières, pour pouvoir effectivement utiliser ces culturalismes. C'est une complexité que le film explique. Derrière ça, il y a toute la question de l'or de l'Allemagne qui est en otage dans les pays qui l'ont libéré. Mais en même temps, il y a toute cette question de comment se crée cette sorte de Sahélistan, hein, si vous voulez, le Burkina, le L'invasion Mali. de la Libye, c'est important Bah, parce que la France, les États-Unis disent qu'ils veulent lutter contre le terrorisme, mais l'invasion de la Libye a déchaîné le terrorisme. c'est ce que ce film-là explique. Donc, le film explique comment la Libye a été détruite par cette conjonction des forces occidentales et comment la présence aujourd'hui rend l'effet pompier pyromane. Donc, on se retrouve dans une situation où ces mêmes États qui n'ont pas pu s'occuper de la santé n'ont pas pu non plus s'occuper de leur propre armée. Et on a une déliquescence du tissu social grâce au culturalisme religieux et qui a été instrumentalisé. Et c'est une boîte de Pandore où il y a évidemment des agendas qui ne sont pas ceux de l'OTAN, qui aussi prospèrent. Donc vous avez un mélange entre des gens qui ont des pensées théocratiques de revenir sur un califat qui a pris l'Europe pendant 7 siècles avec la grandeur de l'islam, mais vous avez des gens qui ont un agenda, ceux du Pentagone, de la CIA, qui ont aussi dégénéré. Donc, les services européens aussi. Donc, aujourd'hui, ce que ce film montrait, c'était que les présences des bases militaires prolifèrent. À l'époque, l'Allemagne n'en avait pas, la Chine n'en avait pas. Depuis que la sortie de ce film, tous ces pays ont maintenant des bases en Afrique. Et vous avez des compagnies aussi mercenaires, des compagnies de sécurité qui surveillent ces forces et qui instrumentalisent aussi le chaos, ou même l'ONU est mise sous tutelle. Donc, il y a un dispositif, pour faire simple, qui explique que géopolitiquement, on essaye de récupérer ce qu'on a perdu au terrain économique. Et au terrain économique, la coopération que la Chine propose ne peut être défaite que par cette allégeance géopolitique. Vous êtes avec nous dans la lutte sécuritaire, et à ce moment-là, nous pouvons conditionner notre aide. Et c'est cette bataille que le film qui explique. Très bien, mais il y a beaucoup de questions sur Facebook. On va clôturer en te remerciant énormément pour cette intervention très très claire.
Je voudrais signaler que les indications de ton film ont été mises par ma collègue Federica sur la page Facebook. On restera aussi encore quelques minutes pour répondre à toutes les questions précises. Et à propos du Canada que tu as mentionné, Michel Seymour a donné le titre du livre d'Alain Deneau qui s'appelle Noir Canada, qui parle très très bien de ça. On nous a recommandé de l'inviter. Malheureusement, pour le prix de sa combativité, il a eu des procès. Les multinationales canadiennes ont essayé de lui faire très mal, donc il ne peut pas donner des interviews sur ça. Raison de plus pour que chacun lise son livre et fasse circuler le message. Et comme tu as parlé de la jeunesse africaine et de son rôle très important pour justement changer le visage et la politique de l'Afrique, je voudrais présenter brièvement le petit projet qu'avec Investigation nous avons développé. Toi et moi, on aurait dû se rencontrer à Dakar au mois de février pour l'hommage à Samir Amin que nous avons tous les deux connu, mais des petits problèmes de santé m'ont empêché d'y aller. Cependant, mes jeunes collègues Federica et Rafa ont été sur place et avec mon ami Stanley à Dakar que je salue. Investigation a lancé le projet d'une petite bibliothèque avec des livres pour les jeunes Africains du Sénégal qui veulent justement se former. On sait que les bouquins, c'est trop cher pour le pouvoir d'achat là-bas. Donc, dans ce bâtiment ici qu'on voit et qui est en transformation à gauche, dans un quartier de Dakar, on installe une bibliothèque qui est déjà en cours de travaux. Il y aura aussi une salle de lecture aménagée sur la terrasse du toit. La devise de la bibliothèque est lire, c'est vivre, se former, lutter. Nous avons déjà fait parvenir des livres d'investigation. Nous souhaitons en envoyer encore plus. Nous avons appelé d'autres auteurs et d'autres éditeurs progressistes à nous rejoindre pour ce projet. Et donc, si vous pouvez soutenir financièrement ce projet et nous aider à couvrir les frais de l'installation, de l'expédition des livres, etc., vous pouvez contribuer dans l'adresse don@investigation.net que je vous mentionne. Je voudrais souligner l'importance du travail de formation, notamment avec le manuel stratégique de l'Afrique en deux tomes de Saïd Bouamama, qui explique les dessous de beaucoup des questions que tu as soulevées. Je voudrais inciter chacun à aller voir le film Africom Go Home et ton site qui porte ton nom. Je te remercie énormément pour cette invitation, avoir accepté mon invitation. Je pense qu'il est très très important que les jeunes Africains, les jeunes Européens et les jeunes du monde entier puissent se former en écoutant des gens comme toi, puissent débattre entre eux, puissent nettoyer leur cerveau de toute cette propagande défaitiste et démoralisante qu'on nous inculque, et de se rendre compte que le sort du monde, le sort de l'avenir est entre leurs mains, à condition justement de se former pour lutter. Voilà, merci à toi, merci à tous ceux qui étaient là, Merci, et à merci de bientôt. m'avoir.